Bonjour, bonjour à tous, les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG et Quinzeltreux, comme d'habitude. Évidemment. De retour dans ce jeu, on est proche de la fin, quand même. En même temps, ouais, le démon, il veut pas attendre la tête comme ça dans le portail, en genre 10 ans. Voilà. Il suffit qu'on referme le portail, ça sera bon. On a toute une zone là aussi à faire. Et... Ah, j'avais la clé, ah oui. Ok. Tout ça pour ça, d'accord. Clé à écrou. Voilà, et là il y avait un truc qu'on n'a pas vu là. Une fuite d'eau. Ouais, apparemment. On a loupé une fuite d'eau, d'accord. Elle tourne en... D'accord. Et puis la perspective dégueulasse, hein, c'est clair. Tour, hein. Voilà, donc elle veut quelque chose, très bien. Et là, crocheter la serrure. Ça? Ouais. À mon avis, il va falloir autre chose. Oh. Donc, ok. Ah bah, d'accord. D'accord, c'est pour ça qu'elle part pas. Parce que ça, elle est là. Elle le sentait à travers la boîte, je quoi. Je le sens, il est là. Tiens. C'est un bon morceau, en plus, hein. Mm-hmm. Ah d'accord. Vache, l'a dévoré. Je vais faire ça à main nue. Il y a un trou là. Enfin, on peut faire un trou là. Ah, pioche, ça doit être ça. Mmh, ouais, des chances. Ah, mais ça coulerait où là? Si on fait un trou? C'est une bonne question. Là en bas, je pense. Ouais, peut-être. Ou sur la tête du démon. Oh, tu n'aimes pas les gouttelettes d'eau, hein. C'est ça. J'ai une voix. Ok. Superbe. C'était des écrous là. Ah bah oui. Bien, justement, j'étais en train de me demander qu'est-ce qu'il y avait à dévisser. Ah. Un mini-jeu. On peut pas changer de musique pour le mini-jeu. Le jeu est... il changera jamais, je pense. Ah, cool ça. Placer les fusibles dans des encoches de sorte que la somme des fusibles soit égale à la valeur du compteur entre eux. Ok. Ah. Ça passe, ça, ouais. Donc le vert, ok. Le vert, c'est quoi? C'est 20? Ouais. Donc là, il y a 20, et le jaune qui fait 60, donc 80. Ok. Donc beaucoup trop. Ouais. Peut-être faire les plus gros, peut-être. 100, 120, 125. Je sais, ouais, je sais pas trop. 25, 125. J'ai l'air la bonne. Ouais, non. Je sais pas, y'a pas de bonne strat, j'ai l'impression. Ah, j'en ai un. À part tester. J'en ai un. Ouais, t'es pas mal là. 5, donc là j'ai 100. Ah non, le 100 doit aller là alors. Pour qu'il fasse celui-là et celui-là. Ouais. Du coup, le vert, ça irait à la place du jaune. Ouais. Oh, oh. Ah. Pas loin. Bah, tu peux échanger le jaune et le rouge, je crois que c'est bon. Le rouge là. Parce que le rouge c'est 10. Ok. Incroyable, quelle rapidité. C'était pas si facile, j'allais dire c'était pas si c'est dur, mais ouais, c'est vrai. Ça. Ouais. Ah, voilà. Parfait. Ok, pioche. Eh ben, c'est ce qu'on va en faire, hein. C'est clair, on va trouver. super. C'était impressionnant en tout cas. Je pourrais utiliser cette eau pour quelque chose, mais quoi? Bah, on sait toujours pas. Ah! Tu te laves les mains? Oh, on électrocute le. Oh, nice! C'est quand même possible par les cheveux comme stratégie, hein, mais. C'est beaucoup, ouais, c'est. Ok, ah, exorciste. Il a mis la taille de la flaque, ça tombait du goutte par goutte quand même, hein. C'est clair. Ça tombait pas autant, mais bon. D'accord, voilà, on s'est débarrassé de lui. Et là, parfait. Bon, le démon a pas l'air de réagir, donc non, c'est pas, bah, tant pis. Alexander était possédé par les forces maléfiques. Il a étudié avec le professeur. Le paratonnerre que j'avais enlevé du toit m'a sauvé la vie. Pas celle du pauvre Alexander. Tant pis. Ah, écoute, il était possédé, hein. C'est ça, ouais. On n'est pas exorciste, alors bon, le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est ça. Mm. Horrible. Et on a eu le succès exorciste. Yes. Tonnerre d'atteindre la salle du portail. Trop bien. Ok, scène. Eh ben allez, pour nous réveiller un peu. Ah, ça y est.
Le pianiste fou. Écoute, au moins ça change un peu. Ouais. C'est ça. Ouais. T'as un objet qui change sur le sol en bas à droite, à gauche. Genre l'aimant. Ah, c'était ça ? Ah oui. Et le panneau danger aussi à droite change. À droite. Voilà. Ouais. Tension. Oh là là. Okay. Je crois que t'as un autre objet qui doit changer, je crois, ouais. Faire la liste, mais. Un hameçon. Un hameçon. Okay. Bon, il devrait être plus discret, du coup, je pense. Empreinte digitale. L'empreinte, elle est au-dessus, à côté du Rubik's Cube, je crois. Ah oui. Ah, c'est ça qui change. Ah, oui. Ah ouais. Attends, il est voyant. Hein, mais... Lunettes, plein milieu. Autocollant. La canne, bon, elle est pas, ah ouais, pas cachée. Hein. D'accord. Bon, ça, ils ont pas fait d'effort. Ça va. Canne, fusil, manteau. Manteau manteau moins évident, j'ai l'impression. Ouais. On espère que c'est pas d'erreur de traduction, évidemment, on le rappelle. Ouais. Hein. On n'est pas à l'abri. Je me demande si, genre, cadre, c'est pas juste le truc en bois, là. Ah, c'est oui. Pas un vrai cadre, tu vois, mais... Oh, yes. Okay. Parfait. Ah, il s'emballe. Non, ouais, c'est vrai. Ah, ça y est. J'adore. Elle sera toujours, elle sera pas pire que l'autre musique, donc en vrai... Toujours, toujours effrayant. Fusil. Ah, trouvé. Il est... Tu vois, tu trouves la grande canne. Mmh. Derrière, il y a une grille qui se décolle. Et il y a un genre de fusible géant à l'intérieur. Ah oui, ok. Vu qu'il est gros, notre œil se dit pas que c'est un fusible. Mmh. Le manteau, à mon avis. Le manteau va être un peu plus dur là. Non, manteau. Je pense que c'est une erreur de traduction parce que je vois absolument rien qui puisse faire penser à ça. Vis. Je vois un marteau. Ah, peut-être. Ça pourrait être ça, ouais. Ah, il est là. En haut, au milieu. Oh, yes. Putain. Marteau, ok. Putain. Manteau, marteau. Oh. C'est pareil. C'est quasiment la même chose, rien. Donc, on a quoi là? 5 gemmes, nice. Et la marque. C'est cool. La marque de phoque. Ouais, c'est vrai, la marque de phoque. What the fuck. Ah, c'est quoi ce bruit? Ah, il y a ça aussi. Hein. Trop de trucs. Plan. Plan. Aide-nous. Portail. Il y a encore un truc là. C'est un truc là. Non, mais arrête de. Ah, il y a un truc en dessous. Oulala. Ah, oui. Mec, quelque chose dans ses prises pour l'ouvrir. Ah, c'est les 5 gemmes. Ouais, tous les coups, ouais. Ouais. Bon. Ah, ah, t'as ah un morceau oui. De... Ouais. Putain. De phoque, là. Juste là. Un morceau de phoque. Ok. On dirait les épées de... De Halo. Oui, c'est vrai. Wow. Ah. Ok. Ils aiment bien les maths, quand même. Hein. C'est l'épisode maths. Permettez l'étude numérique en ville de sorte que leur somme de chaque ligne rangée et diagonale soit 18. Ils adorent les maths. Oui, ils bougent pas. Ok. 18. Ok. 6 et 2. T'as pas de 1, déjà. Ouais. Et là, 18. Vu qu'ils t'ont mis un 10. 5 là. Ouais. Bon, quoi là? Ah, le 8 et 9, tu peux pas les mettre sur les mêmes lignes colonnes, je pense, ça fait trop. Ouais. À la limite, tu peux changer le 8 et le 6. T'es 6. Mais ça va pas forcément t'arranger, peut-être plus que ça. Ouf. Ouais. Si c'était. Ouais, non. Ouais. Ouais, sur la ligne c'est bien, mais sur la colonne c'est nul. Ouais. Fuck. Ah, les diagonales aussi, j'aime ouais, voir. Ouais. T'as des points sur les diagonales, superbe. Ça va être facile, ça, tu vois. Enfin, U, ouais. Attends, peut-être... Si t'échanges le 9 et le 7,
En fait, je compte pas, je regarde juste sur les. Ouais, je suis horrible. Peut-être compter parce que là, il nous je regarde juste sur les diagonales et trucs comme ça et tout, mais. 9, 8, 5. C'est trop. T'as trop, de toute façon. 8 est trop. Sur ça. Mmh. 7, 4. T'es à 14 là sur la première la colonne. Donc il te faut plus. Si t'échanges le 5 et le 3. Attends, bah, cette façon, ça monte pas assez haut. Mais... Mmh. 9, 8, 5. Le problème, c'est que ta diagonale elle est trop élevée. Parce que t'as le 7, t'as le 8 et le 9. 4 il est là. Ouais. C'est combien déjà? 14? 18? 18. 18. C'est un peu chiant. 8, 9, 10. Ah. 11, 7. Je vais tout changer, puis on verra bien. Oui, vas-y, fais l'instinct. Fais l'instinct, marche bien. 8, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 4, 5. Là, je peux pas. 6 et 4, je peux pas. Le 2 et le 9. Ouais, c'est tout. Ouais. C'est un peu chiant. Hein. Ouais. 10 là. Bah, vu que là il y a 10, il faut que la ligne et la colonne soient des chiffres pas trop gros, je pense. Ouais, mais du coup, peut-être le 9 et le 5. Ouais. Le 9, tu peux pas le mettre sur la ligne du 10 parce que ça va être trop élevé. Donc là, je vais mettre le 3 là, ça fait ça. Là, ouais. Le 8, faut le virer, je pense, il est trop gros. 10, si je mets 7, il est bien pour la 6. Non, il est. Ouais. Ouais. Il était bien sur la diagonale, du coup, mais tant pis. Ouais. Diagonale, j'ai quoi là? 6, 7. Ce qui est chiant, c'est que du coup, t'as des lignes. Là, tes lignes sont bien. Ouais. C'est les colonnes qui vont pas. Oh, yes. Oh là là. Ok. Bravo, quel génie mathématique. C'est ça. Ouais, fallait juste mettre pas trop gros avec le 10, puis je pense. Ah, moi, mon cerveau, il arrive pas à processer toutes les lignes, toutes les colonnes, tous les trucs, et ouais. Du coup, je. J'espère. Mmh. Ça va. Alors, 52. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah. Le même papier peint en tout cas. Toujours. Ça, il a pas changé. C'est ça le des expériences. Oh mon dieu. Oh. D'accord. A perdu le plat. Ouais. Celle-là. On regarde d'abord. Il y a d'autres trucs en dessous. J'ai besoin d'un outil pour les enlever. Okay. J'ai rien. Ah, c'est dommage, on avait une pioche qu'on a jetée. Mmh. C'est con. Alors qu'elle a servi qu'une seule fois. Oh putain, ça. Ouais. Bon, ça va falloir mélanger pour que ça fasse. Ça a l'air sympa en tout cas. Je pourrais faire quelques expériences chimiques, nice. Bon, on va s'amuser. Je peux aller là-bas? Yes. Oh. C'est bien, plus on s'avance, plus c'est glauque. Oui. Donc il était chirurgien, apparemment. Ouais, t'as une machine derrière, c'est pas ouais. Ça aussi. Genre, c'est un peu flippant. C'est quoi ce truc? Ah. Mécanisme. Pas trop, mais j'irai pas à l'intérieur. Non. Bon, je... Là, comme ça, ça m'inspire pas. Est-ce qu'il y a de l'acide? Ah. Ah. Je croyais que c'était le. En vrai, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. Ça aurait été parfait. Et est-ce que j'avance encore? Alors là, toi, tu vois, est-ce que c'est ouvert? Ouais, c'est ouvert, ok. Oh la vache. D'accord. D'accord. C'est quand même un sacré mélange des styles, hein. C'est clair. Il y a des trucs égyptiens. Des trucs indiens. Trop bizarre. Oh, quelle horreur. Ah, il y a des yeux. Il faut des yeux. Ah, il lui manque ses yeux. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ils sont juste à côté, il les a perdus. C'est ça. Ah. Quoi? Serviette. Ok. Objet fin. Je peux même monter. On a pas fini, hein. Y'a pas un truc à... Je pensais pas qu'il resterait autant de trucs derrière. Y'a pas un truc à prendre ici, non? J'ai pas l'impression.
Mais c'est dommage. Mmh. J'aimerais bien. Ah. Ah, là. Ah, là, il y en a. Ouais. J'ai pas tout, là. Ah, si. Nice. Waouh, parfait. Donc, il nous manque... Non, c'est pas là. Il manque quelques bouteilles, quoi. Ouais. 5, donc 2. Ok. Je regarde. Bon, chaud. Ouais. Télescope. Nice. Gros, télescope. Un peu massif, je l'avoue, c'est vrai. Mmh. Oh la vache. Le manche qui arrive au télescope est manquant. Ah, le disque. Dommage. Mmh. Et encore une scène, il y a des scènes partout. Ouais, bah, moi c'est une nouvelle scène, tu vois, genre... Mmh. En plus. On va découvrir des nouveaux environnements de scène, c'est cool. Je vais mettre le disque. Non, non, non. Ça se trouve, ça changera la musique, lol. Je vais la musique qui arrive, puis qui repart, c'est bien. Ouais. Ça change pas la musique. C'en est d'autres. Oh bah putain. Ah, c'est les trucs dans... 1 sur 5, 1 sur 3. C'est bon, ah, on a compris là. Alors c'est... Allez. Ouf. Oh, cette musique de l'enfer là. Aïe 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 aïe. Sur le bureau, au milieu, devant le genre de carré de molécules, t'as un pinceau qui se change en couteau. Ouais. C'était mieux quand on entendait pas la musique. Pas de d'araignée, sérieux hein. Ça va être dur à trouver si elle est... si elle est juste comme ça à poser. Balance. Boule de verre, j'ai un doute. Genre en haut à gauche. T'as un genre de... T'as pas plus... Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Ah oui, ok. J'étais pas sûr hein. Éprouvette, juste à droite de ce que tu viens de trouver. Oui. Mmh. Semence, nice. Je viens de le lire, j'en prêtais à faire la blague. Tu peux faire pour moi. Saulette. 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 Bien sûr, ouais. Là, comme ça, c'est difficile de deviner ce que c'est, hein. Ah, il y a... Attends. Colorant vert. C'est un truc vert à broyer, je suis pas sûr. Ah. Ça. Ah, j'y mets là. Ok. Trop fort. Ah, poudre d'os, peut-être. T'as un os en plein milieu, et vu que t'as un broyeur... Ok. Mmh. C'est appétissant en tout cas. C'est clair. On va pas dire. Ah, balance. Ouais. Alors la pâte d'araignée, bon. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ah, ça aurait pu, hein. C'est des pattes de poule, ça, en fait. Attends. Alors. Peut-être. Alors, peut-être, mais je suis pas sûr. Hein. Vraiment tout au milieu, tout à droite. Genre, je sais pas, genre un peu plus bas. Un peu plus à gauche. Un peu plus bas. Genre, ouais, t'as un truc très très fin. Non, on se trompe. Non, juste un peu plus à droite. Juste à droite. Ouais. Non, c'est le truc de la pince. Ouais, mais du coup, je me dis, il y a peut-être un... Ah oui, d'accord. Ok, je voyais ça comme une éprouvette. Du coup, je me dis, c'était peut-être une patte qu'il y a dedans, putain. Ah ouais, c'est vrai. Une patte noire comme ça. Mais... Bah c'est pour ça que je me suis dit c'est tout fin, ça peut être ça là, non. Non. Soulette. Et les soulettes, t'as envie de les trouver. Hein. On va pas se mentir. Et les semences. Il fallait peut-être plus de précision sur ce que c'est, quoi. Oh. Là, ça va être compliqué là, les trois objets qui nous restent sont compliqués. Donc, ouais, gars. On peut déjà utiliser l'aide pour l'un et puis on s'accroche pour les autres. Hein. Montre-moi ce squelette. Hein. Squelette. Ah, squelette, ah d'accord. J'ai compris dès que tu l'as montré. Squelette. Ça et le marteau. Hein. C'est clair. Ah
Ah mais oui, j'ai même pas vu. C'était un bocal avec marqué Spider machin dessus. Donc, Oh non mais d'accord, ok. Non mais semence, c'est un bocal avec marqué semence quoi, genre. Ouais. C'est clair. Je vais faire tous les bocaux. Ça, non, ça. Ah, il fait peur avec son piano. Ça. Non, tu en sais réussi. Bon, vas-y. Je pense que tu retires du milieu, je pense. Allez, l'instinct. Ah. Oh, putain. Effectivement. Non, c'est des graines, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est de la semence. C'était de plantes. Sous notre nez. Deux. Bah, autre scène, alors. On a que ça à faire. Allez, hein, là, les traductions, ça s'enchaîne, donc... Pas de mots chiants, s'il vous plaît. Ok. Bon, caducé, plutôt chiant, comme mot. Si, le caducé, c'est le truc pharmacie. Ah, moi, j'ai... Ah, ok. C'est ça. Ah, bah, facile, alors. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai eu peur en voyant le mot. Hein. Caducé. Ligne rouge. Ah, bah oui. Ok. Ouais, ça, ça va. On peut trouver aussi. Ampoule, c'est comme ça. Ouais. Trop fort. J'ai été médecin. C'est ça. Je vois ça, ça. Pharmacien. Incroyable. Souffre. Oui, je souffre, effectivement. On souffre bien là. On ouais. souffre, oui, c'est vrai. Alors, l'épingle de sûreté, je sais pas si c'est les têtes d'épingle tout à gauche. Ça. Ouais. Miroir. Pas n'importe quel miroir. Un miroir dentaire. C'est-à-dire. C'est miroir qui te montre que tes dents. Si. Non, je crois que c'est une. Alors, j'ai pas vu. Tu sais, tous les dentistes là où ils ont un tout petit miroir sur une petite perche pour voir au fond. Ah bah, trouver. Du coup, derrière la. Enfin, sur la droite, à côté de la bonbonne d'oxygène. Je croyais que c'était un autre truc. Ah oui, ça. Ah oui, putain. Un tout petit miroir qui te fout dans la bouche là pour voir. Trop chiant. Ouais, c'est vrai. Pour qu'ils voient et qu'ils te disent ah, tu t'es pas pour aussi bien les dents. C'est ça. Ta gueule, c'est bon, je te paye. Allez, maintenant, hop. T'arrêtes de m'insulter. Si tu veux, au milieu tout en haut, t'as un stylo qui est posé sur du tissu très bien fait. C'est ça qui change. Le soufre, je me demande si c'est pas ce qui est sur la petite tablette devant. Ah oui, genre c'est... de la poudre. Ouais. Okay. Bon, je sais pas ce que ça fout là, mais. Oui. C'est pas très sécurisé. Thermomètre. Est-ce que tu peux ouvrir la poubelle au fond, ou un casier, ou je sais pas. Ah. Juste ça. Ah, c'est... Qu'est-ce qu'on en fait, je ne sais pas, mais. Là, il y a un truc aussi. Peut-être les casiers tout à gauche. Ouais. Bandage. Parfait. Et ça. Ah oui, le casier là. Je sais pas. D'accord. Ok. Ceinture, thermomètre. Alors attends. Je viens peut-être de trouver un truc. À mon avis, thermomètre, ouais. C'est peut-être un thermos. Non, ah non, c'était ça, il était là. J'avais pas vu le thermomètre, j'ai vu le thermos en dessous, du coup, ça c'est encore une erreur. Ça aurait été gros quand même, hein, j'avoue. On sait jamais. Ça aurait été drôle. Pas une ceinture, là. Ceinture. Ah oui, la ceinture, ouais. Là. Ouais, Franchement, le thermomètre thermos aurait été drôle. Crêpes. Et quoi, là? Ah, il faut... Ok. On peut en faire un petit film. Yes. Et là... Tu peux enlever l'acide à la serviette. Non. Dommage. Il y avait une autre scène là. Au-dessus. Je sais plus. Ah oui. On ne s'arrête plus, on est. C'est clair. On est chaud. Cruche au milieu en bas. Non. Non, c'est pas celle-là. Ah si, c'est celle-là. Ouais. Oui, parce que ta souris s'est mise en mode action, je me suis dit, ah, peut-être. Le whisky, il est un peu. Whisky XXX, très bien. Sympa. Je crois que t'as un truc qui change sur la rangée du bas au milieu, mais je suis pas sûr. C'est oui, c'est bon. Ah, oui. T'as la jeune qui sort dans mon sifflet. Rouge.
Un sifflet rouge, c'est vrai. Rouge. C'est vrai que la distinction est importante. C'est quoi ce truc là? C'est un ballon? Ouais, un genre de ballon dégonflé. C'est un peu moche, mais pourquoi pas. Mais dans mon clou, genre, arrêtez avec les petits objets. Ah si, peut-être, tout en haut à droite. Ah oui. Juste en... La feuille. Ah, timbre. Lettre. Yes. Ah, le chevalier, il a pas de tête. Eh bah c'est Nick, Nick est sans tête. Elle est là, au-dessus de lui, genre deux étages au-dessus. Ah, il y a ça, ah oui, putain. Luke. Genre, il a pris la grosse tête. Genre, la tête. C'est ça. Ça lui est monté à la tête, hein, je pense. J'ai pas mieux. C'est la meilleure que je puisse faire. Parfois, je me demande si c'est pas juste à côté de ce que tu viens de trouver ou pas. Ah oui. T'as un petit flacon. T'as, ils font pas chier à les mettre côte à côte comme des trucs. Hein. Voiture, article. Voiture au milieu tout en haut. Dans un cadre, une photo. Ah oui. Ah. Ce qui est. C'est les photos des développeurs. Ah, je préfère remettre la voiture. Elle fait c'est clair. Article du journal. Ouais, c'est ce que j'aurais dit, ouais. Ah oui, ok. Ça faisait pas très journal, mais bon. Ça, c'est le truc qui faisait le plus journal de toute la scène. Bon. Il n'y a plus de scène. On fait quoi? J'ai de la craie et une serviette. Et une serviette. On va aller loin avec ça. Où est-ce qu'on pourra avoir besoin de créer une serviette là? T'as un tableau noir en face de toi, mais je suis pas sûr que la craie va être très utile quoi. Donc, Il y avait pas un tableau avant aussi? Ah oui, là. Ah oui. Oh la vache. Ah, c'est l'épisode de maths. Hein. Ah, let's go. Hein. Oh putain. Cliquez sur les éléments dans le tableau de gauche à droite pour former la séquence correcte. De quoi? Machin plus machin égale truc. Ah. C'est quoi ça? Pour objet. A au carré plus B au carré égale C au carré. Ouais, un peu. Ouais. Faut essayer. Hein. C. Oh. Ok. C'est. D'accord, très bien. Ça nous a beaucoup aidé. Ah, c'est mais c'est. Qu'on... Attends. Non, c'est pas les formules mathématiques. Non, je pense pas, mais. C'est pas Pythagore. Enfin. Non, Pythagore est plus complexe que ça, je crois. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. T'es sûr? Oui. Ouais. Oui, c'est si vrai. Si t'as un carré, si t'as un truc. Je crois que c'est ça. Si t'as un truc ABC, A plus B égale C. Enfin, je pense que c'est ça. C'est vrai, je pense que ça doit être ça. Ouais. Bon, ils sont pas trop fichés non plus. Hein. Non, ouais. ABC. Ouais. Ils auraient pu mettre un petit dessin de Pythagore à côté, tu vois, genre pour nous aiguiller un peu. Ouais. Parce que là, elle sortait nulle part. Tac. Ok. Bon. On a les trois, nice. Parfait. Faut que je ressorte sous la pluie. Dommage. Alors, qu'est-ce qu'il va, il va pas dégueuler quand même. Ah. Il a pas dégueulé. Ah, il me donne ça. Ok. Et ça. Ok. Il est malin comme ça sans son chaudron. Quoi? Chaudron. D'accord. Mmh. Coin. Ben c'est moi. Les gens qui veulent me dire coin, ça, ils disent quoi. Ah oui. Coin. Coin, ben c'est moi. Coin. Voilà. Peut-être pour ramener la. Putain, ça m'en. Ça m'embouche un coin. Ça se voit, ben. Bravo. Ah. Ça pourrait, hein. Ah. Des pièces? Non. Un peu déçu. Ça brillait comme s'il y avait un truc vraiment... Young ah, Jones. Les yeux de Pierre. C'est qui Pierre? C'est qui Pierre? C'est qui Pierre, Pierre. En fait. C'est lui Meilleure Pierre. Meilleure réaction, je... Parfait. C'est lui Pierre. Tiens, Pierre.
Ah, mais... Ah, ah peut-être qu'il faut peindre des yeux dessus. Ouais, je pense, vu qu'ils sont jaunes, là. Ou les rendre vivants. Ah, c'est ce qu'on fait... Les vrais yeux. C'est ce qu'on fait là, là. Ici. Ah oui. Ah oui, en effet. Ok. Les boogles. Bon, on va terminer par ça, je pense. Ah, moins qu'on puisse pas. À mon avis, on pourra pas. Ah si, le chaudron. Oui, mais il te manquera quand même... Ok. T'as de quoi, je sais pas. Puis y a pas de... C'est ça, tout est arraché. Ah, il manque il ça. Il manque tout, quoi. Ouais. Ok, bah... J'aurais bien aimé aussi le faire. Vas-y. Ça avait l'air tentant, ça avait l'air marrant à faire. Laissez-moi amuser. Bah vu qu'on peut pas, on va s'arrêter là, et puis voilà. Allez. C'est ça. On a quand même fait pas mal de scènes. Ouais, la musique s'est calmée. C'est ça. Par rapport au début, donc en vrai, on va pas se plaindre. On a fait plein de maths, c'était cool. Yes. En vrai, le premier mini-jeu était, était mieux, je trouve. Ouais. C'est des additions plus simples. J'avoue, le côté Sudoku en mode genre, faut que les colonnes fassent le même truc, plus les lignes et tout ça, moi ça m'embrouille. Ouais. Si le premier avait été, si le premier avait été plus long, ça aurait été mieux. Ouais. Mais encore une fois, il aurait fallu se refaire comme ce qu'ils avaient fait dans un jeu qu'on a fait, où en mode chaque mini-jeu avait genre une version facile, et après tu passais un peu plus dur et un peu plus dur. C'est intéressant. Ouais, c'est bien. Bah voilà, on continuera ce jeu, peut-être qu'on pourra terminer la prochaine fois. On verra bien, écoute, le démon va nous attendre une semaine de plus. C'est clair, ouais. Je regarderai aussi entre temps où sont les béchers qui manquent là, parce que je sais pas où ils sont. Ouais, au cas où. Bah c'est vrai que les béchers avaient l'air d'être plutôt sous l'eau en général, donc je pense qu'on a vraiment dû passer à côté, parce que... Dommage. Ça. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, à partager, et à la semaine prochaine pour peut-être la fin avec On aime, bien sûr. Oui. Je vais pas louper ça quand même. L'affrontement avec le démon. C'est ça. Donc à la semaine prochaine et ciao ciao. Salut.